Vous connaissez mon fils, hein? Le plus jeune, 8 ans. Oh, un grand intellectuel. Il est gentil comme tout. Un peu casse-pied, mais d'une grande logique. Oui, dimanche dernier, nous étions tous les deux dans le train. On allait à Edea. Il y avait en face de nous, sur la banquette, une grosse mama. Avec sa bassine, son manioc, son poulet. Enfin, une femme normale, quoi. Douce, souriante, et tout. Alors, brusquement, mon fils me dit... Papa, aujourd'hui, c'est la même chose qu'hier. Ah ben non, Valentin, pourquoi cette idée? Parce que hier, tu as dit qu'aujourd'hui, c'est demain. Oui, mais hier, je parlais d'aujourd'hui. Si j'ai dit demain, c'est parce que hier, aujourd'hui, n'était pas encore aujourd'hui, mais demain, tu comprends? Oui, en somme, hier, c'est la même chose que demain. Ben non, demain, c'est demain. Seulement demain, on dira que c'est aujourd'hui. Exactement comme aujourd'hui, vu d'hier, c'était demain. Alors demain, c'est la même chose qu'aujourd'hui, hein? Mais non, Valentin, demain. Si on parle d'hier, on dira que c'était avant-hier. Et après-demain, on dira d'aujourd'hui que c'était aussi avant-hier. Hein? Le jour suivant, c'est toujours demain. Mais quand il est arrivé, c'est aujourd'hui. Et quel jour c'est aujourd'hui, hein? Ben, aujourd'hui, c'est dimanche. Oh, mais dimanche, c'était la semaine dernière, hein? Mais il y a un dimanche chaque semaine, Valentin. Un samedi aussi? Ben, un samedi aussi. Oh, alors samedi et hier, c'est la même chose, hein? Mais oui, Valentin, oui. mais aujourd'hui seulement, hein? Hein? Demain, dimanche, ce sera la même chose qu'hier. Et comme demain, c'est lundi, on dira que c'est aujourd'hui. De même, mardi, hein? Mardi, c'est après-demain. Mais mardi, c'est aussi aujourd'hui quand le mardi est arrivé. Hein? Seulement, vu d'aujourd'hui, mardi, c'est après-demain. Oh, le jeudi alors, ça peut aussi être aujourd'hui, hein? Mais bien sûr, Valentin, quand c'est jeudi, chaque jour peut être aujourd'hui. Demain aussi? Ben, demain aussi. Alors demain, ce sera aujourd'hui? Mais oui, Valentin, aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Et demain, c'est demain qui sera aujourd'hui. À ce moment-là, je vois la grosse maman qui s'étouffe presque de rage et qui me crie. Oh, monsieur, hein, si vous continuez, hein, je tire la sonnette d'alarme. Oh, oh. Mais qu'est-ce qu'on lui a fait à cette femme? Elle est folle, hein? Oh. Enfin, je dis au gosse, ne parlons plus de ça, hein, Valentin, hein? Bon. Il se tait 10 secondes, puis me demande... Dis, papa, qu'est-ce qu'il fait le train la nuit? Il dort? Non, oh, pour dormir, il faut avoir des yeux. Oh, et le train n'en a pas? Mais non! Mais qu'est-ce qu'il a, alors? Ben, il a... des roues. Oh, et les bicyclettes, aussi, elles ont des roues, hein? Ben oui! Mais pourtant, à Handaki, a une bicyclette, il dort quand même, hein? Alors là, la maman se lève et hurle. Oh, arrêtez! Arrêtez, je crois que je vais devenir folle, hein? Ben, je lui dis, vous auriez tort, madame, hein? Mon fils discute avec une grande logique. Tous les grands penseurs blancs ont commencé de la même manière, voyons.